site côté de balle construit 6 appartements. Je vais construire le président de la République. Là, okay. Oh, ouais. Nous avons Richard Bonnière, dans le terrain cinéaste, nous avons un site côté président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, va construire 600 appartements pour les policiers dans quatre programmes que le président a gagné pour construire logements abordables pour fonctionnaires publics. Je dis à nous commencer avec les policiers d'abord parce qu'il y a une urgence pour eux. Nous prévoyons démarrer le travail là pour le 31 mars, mais nous commençons depuis le 29 février, l'urgence qui vient. Là, on va regarder pour eux. Terrain à la débroussaille a fait ce terrain là ouais et appareil équipement CN matériel CN à travail ou quand l'autre dire qu'il travaille gros petit ou camion qui là et puis ouais équipe topographe tout qui travaille tout et équipe ingénieur souterrain là c'est avec duquel nous commencer avec travail là. Est-ce que le travail ça y a continué ou bien c'est seulement aujourd'hui hein, ou bien le travail ça y a pas campé? Non. Nous continuons là non-stop ce travail qui démarre là. Nous ne pouvons pas camper encore. Là, nous devons camper. Là, nous devons mettre les clés pour les policiers. Et nous devons pour le travail tout. Dans le jour où nous avons le terrain d'Elma 33, nous avons un petit terrain qui est vide. Dans le jour où nous avons fait un aménagement sur lui pour nous construire 600 autres appartements encore. Parce que nous devons construire 1200 appartements rapides là. Maison de chambre à coucher, salon, salle à manger, cuisine, balcon. Et donc, comme nous dit, c'est un village moderne à construire, maison moderne, qui a respecté tout le monde. Combien de tailles, combien d'appartements qu'il y a gagné pour carré avant? Souterrain, ça nous est là, on a construit 600 appartements. Premier 600 appartements, ça paraît. Mais pendant la construction, nous allons commencer 600 lots tout dans le terrain d'Elma 33 à proximité. Commissariat d'Elma 33. Donc, maintenant qui délai, nous avons espéré concrètement, nous avons commencé à remettre clé avec les policiers pour précisément. Projet ça, c'est un projet de 10 mois. Premier 600 appartements, ça, c'est dans 10 mois où elle construit. Et nous avons commencé avec l'autre, avant de finir ça, nous avons commencé avec l'autre 600 encore, nous avons construit rapidement 1200. Okay. Donc, sur mon dernier message, c'est que ça l'a dit. Par rapport avec le travail qu'a fait. Mais le message là, nous voulons faire toute police qu'on connaît, travail à démarrer pour le président. Il te demande de nous faire une date. Nous te baillons date 1er mars pour travailler de démarrer. Mais nous démarrons avant ça depuis le 29 février. Nous commençons. Et comme nous disons, le travail là c'est non-stop. Nous l'avons campé. Là on a fait remise clé. Déjà, rappelons les capacités MKIO, sous quantité et mètres carrés à construire et puis combien. C'est un appartement de 72 mètres 26 carrés. Cabot, deux chambres à coucher, salon, salon à manger, balcon, confort moderne. Mais un petit dépôt nous pouvons voir pour vous. Nous avons une famille haïtienne, nous avons un petit dépôt pour vous mettre un petit niveau à temps clair. Comme je dis, nous avons respecté la tradition haïtienne, la culture haïtienne. J'ai besoin de construire. Merci beaucoup. Bon, dans 10 mois. C'est le travail a duré 10 mois. J'avais dit commencer pour nous là. Après 10 mois, c'est le ministre qui a fait. Pour j'ai duré 10 mois. Qui est-ce que j'ai presque avant? Et puis qu'il a fait avec nous. Nous avons l'équipe CNR qui travaille pour nous là. Nous avons l'équipe ingénieur qui est là, topographe qui est là, tout qui travaille là. Parce que demain là, m'invitez nous pour venir demain parce que demain c'est l'implantation de la tête. Positionnement en place de building de la fête, c'est-à-dire que nous démarrer, comme on nous démarrer non-stop. Nous avons mesuré plus de 56 000 mètres carrés, plus de 5 hectares qui viennent là. Merci à vous. Monsieur Ougifka. C'est là l'école nous. Hey, hey. Hey.
signé là, c'est le travail qu'a fait. Parlez-nous un peu du travail qu'a fait et puis et localiser en droit à Bouna. Là, nous sous terrain dans Richard Bonnier, Delma. Nous dans Richard Bonnier, Delma, nous sous site côté, nous allons construire logement pour les policiers. Dans le programme président de la République, pour construire logement abordable pour fonctionnaires publics. Et nous avons commencé avec les policiers. Là, dans ce site, là, nous allons construire 600 appartements pour les policiers. Nous prévoyons démarrer le travail à la tapette 31 mars, mais nous commençons depuis 29 mars, parce que vu l'urgence qui gagne, policiers ont mal logé. Il y a un côté au coucher vraiment la caillou. Côté de balcon, je suis 600 appartements. Je suis en balcon, je suis en président de la République. Nous sommes Richard Bonnier, dans le terrain cinéaste. Nous sommes dans le site côté président de la République. Là. Son Excellence Jovenel Moïse, balcon, je suis 600 appartements pour les policiers. Dans le cadre du programme que le président a gagné pour construire un logement abordable pour fonctionnaires publics. Je dis à nous commencer avec les policiers d'abord parce qu'il y a une urgence pour eux. Nous te prévoyons démarrer le travail là pour 31 mars, mais nous commençons depuis 29 février, vigilance qui vient. Là, on va regarder pour le terrain là, déboussaille après ce terrain là, où appareil, équipement CN, matériel CN à travail, où l'ODEC qui travaille, il y a un gros petit, où camion qui là, et puis on va voir l'équipe topographe tout qui travaille tout, et équipe ingénieur sous terrain là, c'est là avec duquel nous commençons. Avec le travail là. Est-ce que le travail ça y a continué ou bien c'est seulement aujourd'hui hein, ou bien le travail ça y a pas campé? Non, nous continuons là non-stop. C'est le travail qui démarre là. Nous ne pouvons pas camper encore. Là, nous avons campé. Là, nous avons remis les clés pour les policiers. Et nous avons pour le travail tout. Dans le jour de la dans le terrain d'Elma 33, nous avons parti terrain qui vide, Dans le jour de la nous avons fait un aménagement sur lui. Pour nous construire ou 600 l'autre appartement encore. Parce que nous avons pour nous construire 1200 appartements rapides là, maison de chambres à coucher, salon, salle à manger, cuisine, balcon. Et nous, comme nous dit, c'est un village moderne à construire, maison moderne, qui a respecté tout le monde. Combien de taille, combien d'appartements qu'il y a gagné pour carré avant? Souterrain, ça nous est là, on a construit 600 appartements. Premier 600 appartements, ça paraît, mais pendant la consultation, nous allons commencer 600 lots tout dans le terrain d'Elma 33 à proximité du commissariat d'Elma 33. Donc, maintenant, qui délai nous avons espéré concrètement, nous avons commencé à remettre clé avec les policiers pour précisément. Projet ça, c'est un projet de 10 mois. Premier 600 appartements, ça, c'est dans 10 mois où elle construit. Et nous avons commencé avec l'autre. Avant de finir ça, nous avons commencé avec l'autre 600 encore. Nous avons construit rapidement 1200. Ok. Donc, ce sont les derniers messages. C'est que ça l'a dit. Par rapport avec le travail qu'a fait. Le message là, nous voulons faire tout le policier qu'on connaît. Le travail a démarré. Pour le président, il a demandé de nous faire une date. Nous avons fait une date 1er mars pour le travail de démarrer. Mais nous démarrons avant ça depuis le 29 février. Nous commençons. Et comme nous disons, travailler non-stop, nous avons campé, là on a fait remise clé. Déjà, rappelons les capacités MKIO, sous quantité et mètres carrés à construire et puis combien de chambres. C'est un appartement de 72 mètres 26 carrés, cabot, deux chambres à coucher, salon, salon à manger, balcon, confort moderne, mais un petit dépôt nous pouvons voir pour eux,
Et nous, la famille haïtienne, nous avons un petit dépôt pour un petit bâton clan. Comme moi, nous avons respecté la tradition haïtienne, la culture haïtienne. J'en veux j'en pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et qui va nous faire le travail de bon, dans 10 mois, c'est le travail a duré 10 mois. J'avais dit, comment c'est pour nous là. Après 10 mois, c'est le ministre de l'Afrique. J'ai duré 10 mois. Qui est-ce que j'ai presque entendu? Équipe là qui a fait le sécurité. Nous avons l'équipe CNR qui travaille pour nous là. Nous avons l'équipe ingénieur qui est là, topographe qui est là, tout qui travaille là. Parce que demain là, m'invitez-nous pour venir demain parce que demain c'est implantation de tapette, positionnement de l'implantation de la tapette. C'est-à-dire que nous démarrer, comme on nous démarrer non-stop. Terrain ça a mesuré plus de 56 000 mètres carrés, plus de 5 hectares qui viennent là. Merci un peu. Monsieur Guitto. Et c'est allé quoi nous? Parlez-nous un peu du travail qu'a fait et puis et localiser en droit. Là, nous sommes sur terrain dans le Chabonnier, Delma. On va commencer par nous sommes dans le Chabonnier, Delma. Nous sommes sur site côté, nous allons construire le logement pour les policiers. Dans le programme président de la République, pour construire le logement abordable. Pour fonctionner public, et on a commencé avec les policiers. Là, dans ce site, là, nous allons construire 600 appartements pour les policiers. Nous avons prévu de démarrer le travail à tapette le 31 mars, mais nous commençons depuis le 29 mars, parce que vu l'urgence qui gagne, les policiers sont mal logés. Il y a un côté au coucher vraiment la caillou. Pourquoi pas de moulin? J'ai commencé.